Commençons maintenant un nouveau cours, un cours très important encore. Et c'est le cours sur la thérapie pastorale dynamique et multidimensionnelle. Ce cours est basé sur un seul livre, le livre du docteur Massamba, pasteur Massamba, livre qui était sa thèse de doctorat, présenté le 2 juin 72 à l'école de théologie de Clermont en Californie. Avant de parler de ces livres que nous allons aborder, de l'introduire, j'aimerais d'abord que vous présenter le docteur Massamba. Jean Massamba Mampolo est né le 1er juillet 1936 à Lukunga, dans le Congo central, non loin de Kimpese ou de Sonampango. Son père s'appelait André Loko Matuzizi et sa mère s'appelait Lutu Mpolo. Il a fait ses études primaires à la mission baptiste de Lukunga, et il vient le terminer à la mission baptiste de Sonampango de 1946 à 1952. Puis l'école secondaire commençait à Sonampango, il la termine à l'EPI Kimpese, qui était à ce moment-là comme un centre pré-universitaire protestant. Il termine donc ses études secondaires en 1958 à Kimpese et se rend à l'Université officielle du Congo en 1959. Après une année, il obtiendra une bourse pour aller aux États-Unis où il va faire, coup sur coup, un bachelor en sciences politiques administratives, puis un master en sciences politiques et administratives. Le bachelor, il va le faire à l'université Rollins aux États-Unis, tandis que le master en sciences politiques et administration comparée à l'université qui s'appelle Graduate School and University Center de Clermont. Et pendant ce moment, il fait la théologie. Et en 72, il défend justement la thèse doctorale dont le livre sera plus tard intitulé La libération des envoûtés. Mais le titre initial de la thèse, je vous le lis en anglais. Le titre initial de la thèse était ou est Psychotherapeutic Dynamics in Africa Bewitched Patients. Dynamique psychothérapeutique en Afrique des patients ensorcelés. Psychotherapeutic Dynamic in Africa Bewitched Patient. Dynamique psychothérapeutique en Afrique de patients ensorcelés. Sous-titre, toward, vers, a multidimensional therapy in social psychiatry. Vers, une thérapie multidimensionnelle en psychiatrie. Alors, ma semble une formation assez solide en psychiatrie, en psychothérapie, en psychanalyse, en psychologie et en théologie. C'est vraiment un théologien complet et en sciences politiques. C'est tout un savant avec qui nous avons affaire. Malheureusement, il était très mal exploité chez nous. Il est décédé au Congo. Très, je dirais qu'il a été arraché au monde très très tôt. Le 10 mars, il a pris sa retraite le 10 mars 2003 et il est mort 3 ans plus tard, le 4 décembre 2006, des suites d'une hernie hiatale mal soignée. Il laisse derrière lui un héritage scientifique et pastoral très avancé,
Ce fut le tout premier vice-président de l'Église du Christ au Congo. Il a travaillé avec l'évêque Bokele Ale, à ce moment-là, le pasteur Bokele Ale. Et aussi, il est le fondateur de l'Université protestante de Kimpese. Il fut, je pense, un des premiers Congolais à travailler comme secrétaire général à l'école, au Conseil œcuménique des Églises. Il a écrit beaucoup d'articles et scientifiques en psychothérapie et en pastoral. C'est vraiment un pasteur et un thérapeute, un psychothérapeute. Et je pense même que c'est un des premiers thérapeutes pasteurs, un des premiers docteurs en théologie au Congo, un des premiers professeurs de théologie au Congo, théologie protestante, et un des premiers doyens de la faculté de théologie protestante. C'est le premier. Et il est vraiment le premier en tout. Hein? Et son nom, Massamba Jissa, veut dire celle, c'est lui qui commence, toi, hein? Qui ouvre le chemin. Massamba, c'est lui qui samba le chemin. Alors nous venons, après avoir brièvement introduit le docteur Massamba, et nous allons approfondir sa thérapie pastorale multidimensionnelle dynamique, ou dynamique et multidimensionnelle, dans ce cours de TH.P677. Nous commençons maintenant l'introduction de ce cours. L'objet est des personnes qui se disent envoûtées. Il s'agit de la thérapie dynamique pour des personnes qui se disent envoûtées. L'essence de cette étude. Voilà, quand il présente sa thèse, voilà comment il présente l'essence de cette étude. Il dit, notre intérêt porte sur les personnes qui présentent leurs problèmes en termes d'envoûtement. Voici pourquoi. Tout d'abord, l'envoûté se rencontre couramment dans une chapelle, dans un hôpital moderne, dans la clinique d'un prophète africain ou d'un guérisseur. Et moi, je vous dis que maintenant, là, quand vous allez en France, même ici, on voit des envoûtés blancs ou noirs partout. Ce n'est pas seulement le noir. C'est un problème universel qui date de la naissance même de l'humanité. Alors, donc, il dit, on voit des envoûtés un peu partout, et qui dit, tel mehé, je suis malade, on m'a lancé un sort, mon foyer ne va pas, parce que ça ne va pas. Moi, j'ai rencontré un couple de blancs. La femme est d'origine britannique, le mari est d'origine canadienne, deux blancs, pas de noir. Et la femme s'est dit avoir été envoûtée par les parents blancs qui sont au Canada, afin qu'elle ne puisse pas mettre au monde pour que son mariage puisse échouer. Et jusqu'à présent, il communique très difficilement avec les parents du mari, parce qu'ils sont considérés comme des envoûteurs, des sorciers. Donc, c'est un problème qui se pose un peu partout. Deuxièmement, l'envoûtement, pour Massamba, permet de comprendre la notion africaine de la maladie. Mais moi, je dirais que l'envoûtement permet de comprendre la notion mystique de la maladie, ou si vous voulez, la notion spirituelle de la maladie. Et c'est très important, ce n'est pas la notion africaine comme telle. Donc j'essaie un peu d'updater, ou si vous voulez, de mettre à jour les recherches de Massamba qui datent de 72. Pour lui, la maladie, le malheur et la mort ont le plus souvent de causes surnaturelles, moi je dis de causes spirituelles, pour la culture africaine, mais aussi pour la culture magico-religieuse, hein, la culture religieuse en général. Et les déplaisirs de Dieu, des ancêtres, tout ça, les oppositions dans la famille, peuvent conduire à des maladies, même chez les autres races. Troisièmement, l'attitude négative des gouvernements coloniaux en ce moment-là, et au temps de Massamba, et des services de type occidental et des hôpitaux d'orientation. Donc, c'est leur attitude négative contre la sorcellerie, vis-à-vis de la sorcellerie, amène le genre, justement, dans ces milieux, à ne jamais manifester leur pensée, extérioriser leur pensée concernant l'envoûtement. L'envoûté est une personne sociale et culturelle, et pas seulement une créature biologique sensible.
à certaines excitations physiologiques. Donc, prenons cette femme dont je vous parlais, qui est d'origine britannique. Elle souffre souvent de dépression et de névrose. Et on peut lui bombarder de médicaments si on ne tient pas compte de la problématique de l'envoûtement qu'elle essaie de présenter. Eh bien, on ne pourra pas vraiment la soigner. Il faut des soins dynamiques et multidimensionnels. Et la problématique de l'envoûtement, justement, nous permet d'ouvrir le chapitre ou le chemin qui conduit à considérer une maladie comme un phénomène complexe qui n'a pas seulement de causes physiques, physiologiques, biologiques, mais aussi des causes qui sont extra-physiologiques ou, si vous voulez, spirituelles et psychiques. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de maladies psychosomatiques, moi j'irais loin, on parle aussi de maladies spirituelles. Quand nous avons affaire à des cas pathologiques, des fantasmes, dit Massamba, d'illusions, des délires, nous devons prendre en considération la culture qui influence la perspective du malade. Par exemple, aujourd'hui, la culture religieuse. Quelqu'un qui est dans une culture religieuse charismatique, il aura tendance à démoniser les causes, à chercher les causes de sa maladie vers les attaques démoniaques. Cela peut être vrai ou pas vrai, mais il aura cette tendance. Le but de l'étude de Massamba, voici l'hypothèse, les hypothèses de son étude qui viennent de la littérature qui était à sa disposition. L'envoûtement qu'il appelle dans cette étude Kindoki, en langue Congo, est souvent considéré en Afrique comme la cause d'un échec, d'un malheur, d'une maladie. Mais cela est vrai aussi en France, dans le Bocage. Si vous lisez les recherches de Jean Favre Sada sur la sorcellerie dans le Bocage, vous découvrirez que quand une ferme est en train, n'est-ce pas, de tomber en faillite, des animaux qui meurent coup sur coup dans une ferme, eh bien le fermier de Bocain a tendance à rechercher la cause de la mort de ces bêtes dans la sorcellerie. Alors, la croyance en la sorcellerie fournit une issue à l'hostilité contenue, à la frustration et à l'anxiété. Ça, c'est la première thèse qu'il a puisée de Kloukom en 1944. C'est Kloukom qui a élaboré cela. La croyance à la sorcellerie fournit une issue à l'hostilité contenue, à la frustration et à l'anxiété. Quand des accusations sont portées contre des personnes, la croyance indique une tension personnelle entre le malade ou l'envoûté et celui qu'il identifie comme sorcier. Par exemple, quelqu'un qui a été violé par un vieux du village pendant longtemps, pendant son enfance. Puis devenu adulte, la personne dit que telle personne est vraiment sorcière. Alors, il ne dit pas que cette personne m'a violé. Et il se pourrait qu'elle a oublié même qu'elle a été violée par cette personne, ou encore ses souvenirs sont flous, ou encore il a peur de dire qu'elle a été violée. Alors, en parlant de la sorcellerie, cette personne est en train d'exprimer les tensions qui existent entre elle et les sorciers désignés. Troisièmement, la croyance à la sorcellerie reflète la perspective que l'individu se fait des tensions sociales et de leur impact dans la communauté. Dans toutes les communautés, même ici, il y a des tensions sociales. Et je constatais même dernièrement, on a démocratisé le pays, n'est-ce pas? Vous voyez les tensions qui sortent. Et les gens ne savent pas gérer cette démocratisation. Le danger, c'est de tomber dans l'anarchie. Les gens oublient que le contraire de l'anarchie, c'est la dictature. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, souvent, est un système très difficile à gérer dans le monde. Très, très difficile. Il y a très peu de sociétés démocrates. Même ici en Occident, la démocratie est gérée par ceux qui possèdent les armes et l'économie. Et on ne le voit pas.
Mais ils sont là. Et il y a des gens qui nous entourent, qui sont surarmés pour garder leurs biens. Vous voyez, hein? Et ils gèrent la démocratie. Ce sont eux qui pompent l'argent pour les campagnes électorales, puis qui le récupèrent après à travers, n'est-ce pas, de fonds qui sont donnés par l'État pour leurs grandes compagnies. C'est des grandes compagnies qui dirigent devant des compagnies d'armement, des compagnies de pétrole, etc., des grandes industries minières dans le monde, qui dirigent le monde. Oui, et c'est très important de le savoir. Alors, quand on entre en démocratie, on doit savoir comment faire face aux classes dominantes de façon organisée, pas désorganisée. Hein, les marches, c'est bon, les cris, c'est bon, mais ça ne mène nulle part. Vous voyez, ça peut mener au désastre, au désordre, et un dictateur peut vous surprendre de prendre le pouvoir, même au travers des urnes. C'est comme ça que Hitler est passé en Allemagne, et finalement les nazis s'est imposé. C'est comme ça que des gens comme Trump aussi sont passés au pouvoir. Nous devons faire attention, et parce qu'il y a beaucoup de lobbies qui sont en train de chercher le pouvoir, le lobby des homosexuels, le lobby des francs-maçons, le lobby des juifs, le lobby des noirs, le lobby des racistes, c'est des lobbies qui cherchent à contrôler le pouvoir dans le gouvernement de chaque nation dans le monde. Alors, la croyance en sorcellerie reflète la perception que l'individu s'est fait des tensions sociales et de leur impact dans la communauté. Prenons dans une société où il y a beaucoup de chômage. Puis la personne cherche le travail et ne le trouve pas. Puis conclut que, parce qu'elle est envoûtée, on lui lance du sort. La croyance à la sorcellerie reflète donc la perception que l'individu a des tensions sociales, son explication des tensions sociales et leur impact dans la communauté, dans la vie de l'individu. Quatrièmement, la croyance à la sorcellerie sert à souligner ou à dramatiser une éthique sociale par le moyen d'épisodes réels ou imaginaires. Et le comportement antisocial est attribué soit au sorcier identifié, soit à la personne qui se dit envoûtée. Un comportement antisocial, c'est un comportement qui fait que l'individu puisse rejeter justement les relations sociales. Quand on dit que tel est sorcier, eh bien, cette personne la rejette, on l'exclut même de la société. Notre littérature, la littérature que Dr Massamba a examinée, qui est à sa disposition, décrivait le phénomène de la sorcellerie comme un phénomène social influençant les relations personnelles. La sorcellerie est un problème qui se pose au niveau des relations interpersonnelles. Mais Massamba constate qu'elle manque de données psychologiques sur la personne qui se dit envoûtée, c'est-à-dire la personne qui expose son problème dans des termes de symbolisme social de l'envoûtement ou de Kindoki. Alors, si le Kindoki ou la sorcellerie révèle des tensions interpersonnelles et sert à contrôler et intégrer la société, le psychologue doit poser la question suivante. Est-ce que la sorcellerie reflète-t-elle les désirs inconscients de l'individu d'arriver à une intégration de sa personne? Ou, si vous voulez, est-ce que la sorcellerie n'est pas une forme de contestation? Donc, l'accusation de la sorcellerie, de contestation de l'autorité traditionnelle qui devient écrasante par rapport aux générations montantes. Quand une personne se sert de la sorcellerie pour identifier la cause de sa situation existentielle, eh bien, cette personne, on observe qu'il devient cliniquement, n'est-ce pas, malade. A beaucoup de difficultés de s'intégrer dans la société. Et l'intégration est un élément dynamique de l'esprit humain. Nous vivons dans une société. Et notre équilibre social dépend de notre intégration dans cette société dans laquelle nous vivons. J'ai vécu dans la société africaine, où je me suis intégré progressivement, d'abord comme fils d'eux, puis comme élève à l'école primaire, élève à l'école secondaire, puis petit à petit, étudiant à l'université, finalement, assistant, professeur à l'école secondaire, assistant à l'université,
et finalement professeur d'université et pasteur. Je me suis intégré dans cette société-là. Quand le problème s'était posé à l'église après les élections de l'an 97 avec le docteur Marini, eh bien, j'étais comme désintégré, comme rejeté un peu, vous voyez. Lorsque j'étais menacé de mort, etc., j'étais comme désintégré, déséquilibré. Et là, je fuis. Et je suis venu ici où je me suis réintégré dans une autre société. Alors, certains pouvaient chercher de l'envoûtement, balancer les sorts, c'est pourquoi ça ne marche pas. Puis là, ils vont courir à gauche, à droite pour chercher la protection. Ça peut donner quelque chose peut-être, mais parfois ça donne absolument rien. On perd son temps et son argent dans des futilités. Cela ne veut pas dire que les kindokis n'existent pas. On arrive. Attendez le cours. À la lumière de toutes ces observations, Dr. Massamba formule l'hypothèse suivante dans sa thèse. Les croyances liées à la sorcellerie sont une représentation des tendances inconscientes de la personne vers l'intégrité. Et même, j'irai plus loin, que la personne qui pratique la sorcellerie, c'est une personne qui, en réalité, cherche à imposer son autorité dans la société. Vous voyez? Parce que celui qui détient le secret de la sorcellerie est toujours perçu comme quelqu'un qui a le pouvoir. C'est une question de pouvoir. Et là, je réfère à l'ouvrage du docteur le sociologue Gérard, j'oublie maintenant l'autre nom de famille, ça reviendra en cours de route, à son ouvrage sur Kindoki Nkisi en pays Congo. Voilà, je me rappelle de l'ouvrage, mais le nom de l'auteur, mais il s'appelle Gérard Bwakasa. Voilà, le docteur Bwakasa. D'ailleurs, les deux m'ont beaucoup influencé dans mes recherches sur le même thème en philosophie. La croyance au Kindoki semble toucher aux crises psychosociales de l'individu. Voilà, ça c'est la thèse fondamentale. La croyance au Kindoki semble toucher aux crises psychosociales de l'individu. On voit ça, par exemple, quand vous étudiez l'histoire de Maman Olangi avec Papa Olangi, il y avait une crise dans leur foyer. Et cette crise a amené Maman Olangi à combattre, dans le combat spirituel contre les forces sorcelleriques, démoniques, vous voyez, et à développer même tout le mouvement de combat spirituel. Voyez-vous, donc la croyance, encore là, la thèse de Massamba, elle démarre. La croyance au kindokisme semble toucher aux crises psychosociales de l'individu. La crise du foyer de papa et maman Olangi, paix à leur âme, les a conduits à monter, à développer le combat spirituel. D'abord à se convertir dans le Djambé Malamou et à être très engagés au full gospel avant de développer justement le combat spirituel. La croyance au kindoki, à la sorcellerie, fournit donc un cadre symbolique où l'individu essaie de maîtriser ses crises, de gérer ses crises, de croissance dans une société en tension, en reconnaissant le conflit entre la croissance et la dépendance. Hein. L'individu qui se dit ensorcelé par son oncle, ou ensorcelé par sa belle famille, qui vient envahir toute sa maison, comme la belle famille de Maman Olangi Lubumbashi qui avait envahi toute sa maison, eh bien, cet individu-là cherche son indépendance. Il y a une tension entre la dépendance et l'indépendance. Le symbolisme de la sorcellerie permet donc à l'ego individuel de la personne de s'opposer à l'ego du groupe ou le super-ego. Maintenant, ça, c'est la thèse fondamentale. Chaque fois qu'il y a une guerre de sorcellerie dans une famille, vous allez voir qui représente l'ego du groupe, le super-ego. Souvent, c'est le sorcier, et qui représente l'ego, c'est-à-dire le jeu. Et cette tension, cette lutte entre l'ego et le super-ego, se passe à travers la guerre des sorcellerie.
L'étude du docteur Massamba pourcentre la personne envoûtée, son mode de perception, les facteurs de développement qui influencent sa personnalité et font de principes utilisables qui influencent sa personnalité et font de principes utilisables pour le traitement du malade. Alors, c'est très important. L'étude du Dr Massamba comme la thérapie, puisque la thérapie dynamique, la pastorale thérapeutique dynamique ou la thérapie pastorale dynamique, a pour centre la personne envoûtée, la personne qui se présente devant toi, qui se dit « je suis envoûté, je suis attaqué par la sorcellerie ». Quel est son mode de perception? Comment cette personne, comment perçoit-elle aussi sa famille? Quels sont les facteurs de développement de cet individu qui influencent sa personnalité et fondent les principes utilisables pour le traitement de sa crise mentale et pour sa délivrance, évidemment. Les conclusions suivantes ont émergé en rapport avec la psychothérapie nécessaire à l'épanouissement de la personne envoûtée. Premièrement, il est important de concevoir le traitement dans la perspective et les connaissances propres au patient, afin de lui faire dépasser sa perspective. Par exemple, si c'est un patient, Tetela ou un patient, Mongo ou un patient, Congo, vous devez connaître sa perspective culturelle, son contexte culturel. Parce que c'est à partir de ce contexte culturel dans lequel il est comme emprisonné, n'oubliez pas, nous naissons comme prisonniers de notre culture, prisonniers de notre famille. C'est à partir de ce contexte-là que vous allez l'amener de l'esclavage, de la prison où il est, à la liberté, la libération des envoûtés. Deuxièmement, il est important d'incorporer au traitement pastoral les conceptions culturelles de la maladie et de la santé. Comment, dans ce contexte, on conçoit la maladie et la santé? Troisièmement, il est important que le groupe qui accompagne l'individu, qui vit avec l'individu envoûté, soit présent durant la thérapie pastorale. C'est très important de traiter le groupe, la famille qui vit avec l'individu. Et finalement, le traitement pastoral doit former un système multidimensionnel. C'est pourquoi on parle de thérapie multidimensionnelle. Un système qui est ouvert et qui peut comprendre des approches analytiques, des approches cognitives, des approches structurales, des approches narrative, etc. Des approches comportementales pour la modification des comportements et aussi travailler sur le milieu pour changer le milieu. C'est très important. Vous allez comprendre comment les approches spirituelles sont très fortement multidimensionnelles. Maintenant, quelle est la méthodologie du Dr Massamba dans son étude? À côté de la lecture des classiques en psychothérapie, 5 ressources principales étaient à sa disposition et je vous invite à utiliser les mêmes ressources. Premièrement, les entretiens pastoraux de 66 à 70, alors qu'il enseignait à Kimpese dans le Bas-Congo, puis à Kinshasa, à l'école de théologie. Eh bien, il a fait beaucoup d'entretiens pastoraux avec les étudiants, avec les paroissiens, etc. Et il a vu dans beaucoup de ses entretiens que les gens posaient leurs problèmes en termes d'ensorcellement ou d'envoûtement. Deuxièmement, les interrogations. Il a brièvement interrogé des personnes rencontrées dans des hôpitaux, dans des dispensaires, dans des maisons de repos, etc. Et vous pouvez aussi procéder de la même manière. Troisièmement, la participation. L'auteur dit « Je fus souvent invité à des palabres traditionnelles où les membres d'un clan traitaient des problèmes d'envoûtement en rapport avec la maladie, la malchance, l'échec en affaires ou à l'école ou la mort. » Et alors, le docteur Massamba était là comme pasteur et accompagnait ses familles. Quatrièmement, il y avait un questionnaire, un bref questionnaire distribué à des étudiants. Il y a quelques personnes instruites qui l'ont aidé à vérifier certaines informations qu'il avait rassemblées. Et enfin, les excursions. Une autre source d'information fut la visite à des cliniques, à des centres communautaires. Il a visité par exemple le prophète Mampouya et les guérisseurs
Ngabu et Ndona, et qui lui ont révélé beaucoup de choses sur l'envoûtement. Voilà donc la méthodologie de l'auteur. Je peux qualifier sa méthodologie de phénoménologique. Pourquoi? Je m'explique, et c'est là que je termine cette introduction. L'étude du docteur Masama étant une étude multidimensionnelle, et cette étude considère la sorcellerie comme un phénomène complexe. Et pour étudier un phénomène complexe, il faut, dans une approche phénoménologique, considérer les différents aspects, les différentes manifestations de ces aspects, de ces phénomènes complexes, les aspects psychologiques, les aspects sociologiques, les aspects biologiques, les aspects économiques, les aspects relationnels, les aspects cognitifs, étudier tous ces aspects-là pour comprendre justement à travers ces différentes dynamiques, n'est-ce pas, la nature même du phénomène. Vous voyez, c'est ça l'étude. Et quand vous écoutez quelqu'un, vous allez justement écouter la voix de ce phénomène. C'est ce phénomène de son qui parle à travers l'individu. Et la phénoménologie, c'est une étude de phénomènes présents dans chaque conscience et de l'état de la conscience qui les détient. Quel est le phénomène qui est présent dans la conscience de celui qui se dit ensorcelé et de celui qui accepte qu'il est sorcier. Étude de tous ces phénomènes présents dans une conscience et de l'état de la conscience qui détient ces phénomènes. Ici, le phénomène de la sorcellerie. Alors, dans une deuxième leçon, nous allons étudier aujourd'hui les croyances et la cosmologie africaine. Nous terminons donc ici notre introduction. Et dans cette introduction, nous avons présenté l'auteur de l'approche que nous allons étudier, le docteur Masamba, puis l'introduction à la pastorale, à la thérapie pastorale dynamique et multidimensionnelle, son objet et ses méthodes.